L'association 269 Life France est ici avec regret. Le regret de constater qu'à ce jour, l'industrie de la viande tue chaque année 65 milliards d'animaux terrestres et 2740 milliards d'animaux marins, qu'elles soient bio ou pas. Que les traditions sont un prétexte pour accélérer ces assassinats de masse sans la moindre nécessité, bio ou pas. Le regret de constater qu'en 2020, sur la base de croyances, d'interprétations, de traditions éculées, ces massacres se perpétuent au détriment d'êtres sensibles et innocents qui ont autant le droit à la vie que nous, humains. Au nom de ceux et celles qui ne donnent pas leur consentement pour l'appropriation de leur corps et de leur vie, que ce soit pour le bio ou pas, au nom de ceux et celles dont les cadavres se retrouvent emballés en barquettes, bio ou pas, au nom des vaches exploitées pour leur lait maternel, bio ou pas, au nom de leurs petits et petites kidnappés et tués, bio ou pas, au nom des moussins mâles broyés par l'industrie des œufs, bio ou pas, au nom de ceux et celles qui se font gazer, électrocuter, perforer le crâne, égorger, démembrer, éviscérer, bio ou pas, au nom des 2740 milliards d'animaux marins pêchés et des 65 milliards d'animaux terrestres abattus chaque année, bio ou pas. J'accuse l'élevage, soit bio ou pas, de livrer des innocents et des innocentes par camion entier aux abattoirs. J'accuse l'industrie de mise à mort préméditée et organisée, de massacres permanents. J'accuse la boucherie, qu'elle soit bio ou pas, de faire commerce d'organes. J'accuse les consommateurs et consommatrices de cette filière bio et des autres de financer la chaîne du sang. J'accuse la culture spéciste de crimes contre l'animalité au nom de traditions dépassées. En 2020, n'est-il pas temps de reconnaître que les animaux sont des êtres sensibles ? La sensibilité est un acquis évolutif et un moyen pour identifier les dangers qui menacent la survie. Dès qu'il y a un être sensible, il y a quelqu'un qui accorde de l'importance à ce qui lui arrive et à sa vie. Nous, humains et humaines, en tant qu'êtres tenus pour moralement responsables, il n'est pas juste de tuer volontairement et sans aucune nécessité d'autres êtres sensibles.